Et là où il y a les étoiles, quand on éteint, quand il n'y a plus de lumière, c'est les étoiles phosphorescentes. Tac. Oui, voilà. Waouh! Copains. Coucou les petits copains. Hello, coucou Canis, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque ça fait très longtemps qu'on nous demande un room tour. Et ça y est, c'est aujourd'hui, on va présenter aux petits copains votre chambre, puisque Canis, tu es d'accord? Ça y est. Athéna, tu es d'accord? Oui. Et donc on va enfin pouvoir vous présenter la chambre de Canis et Athéna. Voici leur porte, avec un petit poster de mignon. Là, sur la poignée, vous reconnaissez, on avait ouvert ça il y a déjà quelques temps. Alors, 3, 2, 1, les petits copains, voici la chambre de Canis et Athéna. Waouh! Je vais vous dire la différence d'ici. Alors, là, avant il y avait le lit, mais maintenant il n'y a plus le lit pour bébé. Oui, effectivement, là il y avait le lit pour bébé. Qu'on a donné à Emmaüs il n'y a pas très longtemps. Cliquez sur petit i en haut à droite. Oh, mais t'as tes petits chaussons dinosaures, Athéna. J'étais fait mal. Donc, allez-y, présentez votre chambre. D'accord. Il y a deux loupes. Il y a deux papas, je voulais dire. Là, il y a une loupe, déjà. La loupe, je pense que les petits copains, la plupart des choses, les petits copains vont reconnaître. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans cette chambre. Soit on les a données à des associations, à Emmaüs, à l'hôpital. Soit vous les gardez, mais c'est dans une autre pièce. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout mettre dans votre chambre tellement vous avez de jouets. Alors, regardez, mesdames. Non, c'est une blague. Ah là, la Réunion, on s'en souvient. Là, il y a le jeu des coccinelles. Ah, le jeu des coccinelles. Elle aime bien, Athéna, jouer au petit jeu de mémoire des coccinelles. La petite règle que je t'avais ramenée de la pony. Alors ça, en fait, ça je l'ai gardé surtout pour moi en fait. Je me suis dit, je suis sûr que ça, je vais pouvoir l'utiliser avec mon smartphone, voilà. Je l'aime bien celui-ci. Pas de quoi. Ah ça, adore. Athéna l'adore. Bon. Souvenez-vous, la petite fleur qui danse. Il y a un écouteur, il y a le Monopoly. Ouais, le casque. Oui, le Monopoly de Junior, Yo-Kai Watch, vous aimez bien aussi jouer au Monopoly. Waouh! Ouais, je joue trop bien! Ça, c'est des stylos soda. J'ai retrouvé ça. En rangeant un petit peu, j'ai retrouvé ça. On n'avait pas encore utilisé. Vous allez pouvoir les utiliser si vous voulez. Alors, ça, regardez. Regardez, ah oui, petits copains. C'est est-ce que bien. Vous reconnaissez de qui il s'agit? Là, en fait, il s'agit, je pense que vous avez reconnu, de Canis, côté le petit plus petite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on s'approche, on peut voir que c'est composé en fait de plein de photos. Alors forcément c'est flou parce que je suis en mode maxi au niveau du zoom. On peut reconnaître Canis quand elle était bébé. Alors, il y a plein de petites photos quand elle était bébé ou toute petite fille. Je suis trop mignonne. Ouais, t'es trop voilà. Mignonne, Canis. T'as raison. Je suis en train de ranger la chambre comme elle était bébé. Bon, là il y a le puzzle qui n'est pas démonté. Du coup que je vais remonter. Oui, mais c'était drôle, donc tu vas le remonter. Celui-là est facile parce qu'il y a des numéros. Donc c'est assez facile, alors que le château Harry Potter que tu avais eu en puzzle est très compliqué. On n'a jamais réussi à le monter, même moi, parce que les pièces ne sont pas du tout numérotées et c'est en trois dimensions. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien du tout. Il faut se débrouiller avec des photos qu'on trouve sur Internet. Bref, là, il y a Potter. Pikachu. Harry Potter, on l'a donné. Il y a Pikachu. Un Pikachu. Ça, c'était le cadeau d'anniversaire d'Athéna. Allez, ça, par contre, c'est pour moi. Plus pour moi, j'adore. Non, c'est ça pour correspond moi. À Best Fiends. Voilà l'application à laquelle je joue principalement. Et là, il y a un truc à plus. Alors là, on a un R2-D2, un rangement où il y a surtout les peluches et les... Tu poupées. Poupées et leurs accessoires. Voilà. Il y a la boule de neige qui fait du bruit. Derrière toi, Calice, allez, on parle du mur maintenant. Il y a la map monde, la carte du monde, mais version magnète. Tu lances des boules de neige, version Pulse. Aussi, il y a des lumières sur le D'ailleurs, plat. D'ailleurs, j'ai envie de le faire, le Pulse. Donc, tu es allé ici déjà. Tu es allé ici au Canada, mais dans la partie ouest. Voilà. Tu es allé aux États-Unis, Hollywood, cette partie-là, la Californie, là. Tu es allé. En Australie. Non, pas encore, mais j'espère un jour, pourquoi pas. Alors pourquoi pas sur ce jeu Bubble Tea, aller l'Australie, soyons fous, puisque Maureen y est en ce moment. Ah bon?
Ouais, ouais, c'est là qu'elle est en ce moment, Maureen, pendant 3 mois, elle est ici pour faire ses études. Bon, après, tu étais allée en Italie quand tu étais toute petite. Ah bon ? Calice, ouais. C'est là que t'apprenais vraiment à marcher en Italie. Et c'est où le Canada ? On est allé en Allemagne. On a été en Laponie avec Athéna. Ah oui, Athéna. Alors c'est ici, regarde, la Laponie. Ici. Laponie. Tu vois le renne, là ? Regarde. Oui, Athéna, c'est tout là-haut. Tu vois, c'est carrément près du pôle Nord. C'est tout là-haut, là-haut, là-haut. C'est en haut de la Norvège. La Laponie c'est... finlandaise. On est allé en Chine. Ça, Nord, c'est la plus grosse pièce du puzzle. Alors là, c'est la Russie. Ah, ah, c'est la Chine, pardon, mais là au-dessus c'est la Russie. Donc on continue au niveau du mur. Là nous avons, ça on l'avait fait pour un maxi œuf Peppa Pig. Par contre, comme Athéna grandit, est-ce que t'aimes encore Peppa Pig? Non. Non. Voilà, maintenant bon, celui-là on va bientôt l'enlever. C'est comme la peluche que j'ai mise sur le lit. Mais voilà, elle ne joue plus trop avec Peppa Pig. Ensuite, justement pareil, le poster, on va bientôt enlever ça. Donc c'est pour ça qu'on vous montre un petit peu la chambre. Pas tout de suite, pas tout de suite. On remonte un petit peu la chambre avant d'enlever, de refaire tout ça. Et là nous avons d'autres posters. Le voyage d'Arlo qu'on avait vu en avant-première, un Disney qui était trop top. Et il y a aussi Zootopie qu'on avait vu en avant-première de Disney qui était trop top. Encore plus. Il y a ici Alice au autre côté du miroir qu'on avait vu en avant-première. On a ici Mabi le chat qu'on avait vu en avant-première. Et ici nous avons Bayana, notre Disney qu'on avait vu en avant-première. Là Nico 2 qu'on a vu en avant-première, mais avant qu'il y ait Studio Bubble Tea. Eh oui. Puis là, pour se mesurer, on avait mis quelque chose au mur. Alors, non, t'as pas besoin d'enlever, t'es pas encore assez grand. Donc regardez, 1m30 ici. T'es 1m... 1m34-35 à peu près, hein, voilà. Ça c'est le placard pour nous. Chunkies. Voilà le placard aux vêtements des filles avec les chouchous. Voilà. Il y a, il y a un gros mini-bou. Regardez la fleur qu'on a, la fleur. Alors, tiens, je vous avais dit qu'elle adorait cette fleur. Voilà, c'est la première chose qu'elle a prise. C'est la fleur. Athéna, la fleur, elle est pas dans sa boîte, elle est là. Et donc, sur le lit, en bas, à voir, à votre avis, petit copain. On a eu cette fleur. Ah oui. En bas, les petits copains, à votre avis, qui dort sur ce lit? Allez, est-ce que c'est Calice ou est-ce que c'est Athéna? Vous avez 3 secondes pour répondre, les petits copains. 3, 2, 1. Et ce lit appartient à... Athéna. Athéna, oui. On peut reconnaître avec Peppa Pig, avec la Reine des Neiges, etc. Le lit là-haut, ça appartient à Calice. Et là-haut, ça appartient à Calice. Vous avez noté d'ailleurs tout autour les jolies lumières qui clignotent. On peut changer les lumières comme on veut grâce et à cette télécommande. On peut mettre du rose si vous voulez, regardez, hop, voilà, on peut mettre du rouge, hop, on peut faire des trucs qui flash, qui clignotent. Ah ouais, le flash, c'est très bien. Et il y a même aussi voilà. Donuts. Plus rapidement. Il y a Donuts. Encore. Papa, il y a Donuts. Il faut pas... Alors oui, il y a le Donut, hey, je l'ai réparé, j'ai cousu. Ah oui, c'est ça. C'était là. Ah, ouais, ça se voit presque pas. Donc faut faire attention parce que c'est assez fragile. Il y a aussi le gros nounours. Oh, mais en fait, ça c'est plus pour ton lit à toi, ça. Oui. Hein? Oui. Allez. Oui. Hop là. Et on a vu de la lecture au niveau du lit de Calice. Voilà, parce que ça fait déjà 3 ans que tu es abonné à J'aime lire. Deux. Et il y a Eragon que tu lis aussi en ce moment. Dites-nous en commentaire si vous lisez Eragon. C'est une grande saga avec les dragons. Il y a les coussins secrets. Ah, là, les coussins sur Luna, il y a aussi le coussin dans Sir Ryle. Ah oui, mon. Alors ça, on ne l'utilise pas, parce que normalement, c'est pour mettre son pyjama, mais en fait, c'était à moi quand j'étais petit, quand j'étais enfant. C'est vrai, ta-da, ça. T'as déjà un certain âge, et moi, je mettais mon pyjama dedans. Voilà, mais là, on s'en sert plus comme déco qu'autre chose. Voilà, en souvenir, on va dire. Il y a une petite cible pour jeter les petites fléchettes. Vas-y, papa. Pas mal, 80. Et moi, je peux le faire? Ouais, tu peux. Après, je te donne la boule, c'est plus facile. Donc là, il y a écrit Athéna. Ah ouais, mais c'est pas là qu'il faut tirer, Athéna. Donc là, je disais, c'est Athéna, c'est un petit copain qui nous avait envoyé. Je pense que s'il regarde cette vidéo, il va s'en souvenir. Il y avait Calice qui était là, mais Calice, malheureusement, bah, elle a été déchirée. Donc on a été obligé de la jeter à la poubelle, mais Athéna est toujours ici. Elle est toujours vivante. Ça fait déjà longtemps, hein. Ça fait déjà un petit moment qu'on l'a, donc ça a tenu beaucoup. Et il y a ensuite... La bouboule. Ah, la bouboule, elle est sur l'interrupteur.
Donc à ce niveau-là, on a la roue. La roue qui s'allume d'ailleurs. Voilà. Et qu'on tourne. Et à l'intérieur de la grande roue, il y a qui? Il y a les Fluffy. Et il y a les Sippies. Qui brillent. Voilà. Sippies s'allument dans le noir en fait. Il y a... Alors tout ça, c'est les petites lumières que vous pouvez utiliser dans votre lit. Voilà. Calice utilise ça pour lire souvent. Ou ça. Ça, c'est pratique pour lire. C'est une sorte de tablette, mais qui fait de la lumière. Ah, ça, c'est la lumière. Oui, je voyage dans le monde entier. Super Mario. Je prends un bateau. Attends, attends, sur le mur, on va bien voir. Ok. Ah, la fleur, elle bouge. Et donc, en lumière, il y a aussi du Shopkins, il y a du Mignon, il y a le petit fantôme Playmobil qui s'allume ici, voilà. Et puis, ça aussi tu utilises pas mal. Ouais. Ah ouais, c'est Batman Lego qui te donne lumière. Par contre, c'est moche, hein, t'as vu. C'est pas une chauve-souris. Ah, on peut pas régler en plus. Voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous plaît. La chambre de Calice et Athéna depuis le temps. Eh bien, comme Calice ne voulait pas encore la montrer maintenant, elle était d'accord. Je suis un zombie. Bah, on vous la montre. Je suis un zombie. Et puis, promis, dès qu'on refera la déco, ça va changer. Hein. Non, ouais, ça sera la surprise. Athéna, elle te plaît cette chambre? Oui. Non. Boum. Non, c'est une blague. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît. Passionnément, elle me plaît à la folie. Et ah oui, j'ai oublié un truc. Ah. Là, il y a le coffre à jouer. Ah oui, c'est vrai. Alors, là, c'est le coffre à draps. Le drap de couverture, c'est pas très intéressant. Et là, effectivement, il y a le coffre à jouer. Il n'y a pas tout, hein, bien sûr. C'est vraiment. Voilà. Ah, il était encore là. Donc, il y a des jeux de société. Il y a Fantastique Gymnastique. Ça, c'est le 1, 2, 3 prout. Prout. On va mettre les piles, je pense. Et il y a des petites questions. Ça y est, je les ai retrouvées. Alors là, il y a plein de livres. Il y a les. Oui, effectivement, t'as les livres Pokémon. T'as les livres Star Wars. T'as des livres aussi d'histoire pour le soir. T'as le smoothie. J'ai mis du temps à les classer, hein. Waouh. Ça, c'est toute la collection de Calice. Ouais, des ultra. Ça, c'est des cartes. Et après, c'est tout. Ex-full art. Je cherchais le mot. Voilà. Pâte à modeler. Il faut en acheter d'autres. Ça, c'est la pâte à modeler. C'est surtout pour Athéna qui adore la pâte à modeler. Ah, oui, ce jeu. Fais la poursuite. Je fais la pâte à modeler. Oh, oui. D'accord, tu peux faire de la pâte à modeler. Yeah. Mais moi, je vais faire ça. Ça, c'était. Oh, on avait fait une vidéo, je crois, dessus. Oui. C'était pour faire ses stickers, pour les colorier soi-même. Et ça fait aussi magnète. Voilà, on peut, c'est-à-dire pour le mettre sur le frigo, on peut faire ses propres magnètes. C'est cool, ça. Ouais. Tu vas en refaire? Ouais. Ok. Bon. Je savais pas où il était. Bah, merci les filles de nous avoir fait visiter votre chambre. De rien. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu n'aurais pas montré? Non, je crois que j'ai tout montré. On a fait le tour. Et là où il y a les étoiles, quand on éteint, quand il n'y a plus de lumière, c'est les étoiles phosphorescentes. Tac. Oui, voilà. Waouh! Alors, on ferme la porte complètement. Ça y est. C'est beau, hein? C'est ma pote. C'est beau! Là, par contre, il fait nuit. Ok, tu peux ouvrir le volet à nouveau, Calice. Là, il y a le jour se lève, les étoiles vont se coucher. Allez, je rallume. Ça marche dans un sens, mais j'arrive pas dans l'autre. Attends, je vais t'aider. Ça marche. Ah oui, d'accord. De toute manière. C'est une méthode. J'ai le temps. Ok. Bon, bah voilà les filles. Je vais vous laisser jouer. Dites-le en commentaire, voilà, faites un grand pouce bleu à Calice qui a bien voulu vous montrer sa chambre. Athéna était d'accord depuis le début. Voilà, Calice, elle a pris le temps, mais ça y est, elle l'a fait. Donc encouragez-la, dites-lui merci en lui mettant plein de pouces bleus. Mettez tous un pouce bleu. Merci Calice. Moi je te mets un pouce bleu.
Allez, mettez tous un pouce bleu pour lui faire plaisir. Elle sera super contente. Un petit commentaire pour lui dire merci. Voilà. Et puis, on se fait un gros bisou, Calice. Et d'ailleurs, c'est les vacances. Donc, bonnes vacances à tous. Et là, tu pars en vacances en colonie. Parce que Calice adore tout ce qui est mathématiques et sciences. Elle est la première de sa classe en mathématiques et en sciences. Elle adore ça. Et là, elle va faire une colo spéciale Sciences et Vie Junior. Voilà, pas très loin de Paris, mais pour apprendre plein de trucs scientifiques. Tu vas revenir, tu vas être Einstein, quoi. Et c'est vraiment Calice qui a voulu le faire. Hein. C'est, elle part toute seule en colo, sans papa, sans maman. Parce qu'elle adore tout ce qui est scientifique, comme l'émission On n'est pas que des cochons. Non, on n'est pas que des crottes de nez. On n'est pas quoi? Des cobayes. Voilà. Tu me vois pas. Je Max, tu te vois. Non, tu me vois pas. En tout cas, tu vois pas ma tête. Ah bah si. Ouais. Ah. Ok. Bon, alors cette fois-ci, gros bisous. Il va y avoir plein de vidéos rigolotes à venir pendant les vacances. Gros bisous encore, Athéna. Oh, bisous, on dirait du slime. Et bien sûr. Vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Allez, au revoir la chambre. C'était le room tour de Calice et Athéna sur Studio Bubble Tea. Enfin, merci Calice, merci Athéna. On vous aime. Et on vous aime tous derrière votre écran. Et pour Calice et pour Athéna. Un gros chocolat. C'est bon le chocolat. C'est tout magué. Ça te fait rire. Ouais. La prochaine fois, on visitera toute la maison. On fera un home tour la prochaine fois. Ouais. Un home tour. Un home tour. En anglais, ça veut dire le tour de la maison. Ouais.